Hello tout le monde, je partage avec vous une petite recette d'un soin lavant au gel de gombo. Vous n'êtes pas sans savoir que le gel de gombo est riche en mucilage et ce mucilage mousse, ce qui signifie que cela contient de tensioactifs naturels. Tout comme certaines poudres, il est tensioactif en le pouvoir nettoyant et lavant. Le soin au gel de gombo est donc un soin 2 en 1 qui va nettoyer grâce à son tensioactif et qui va soigner les cheveux grâce à ses vitamines et minéraux. Sans plus tarder, voici la recette. Ici, j'utilise 300 ml de gel de gombo. Environ 2 cuillères à soupe de l'huile de moutarde. J'ai pris au pif, ce qui n'est pas de mes habitudes, mais ce n'est rien de grave puisque c'est une recette express à utiliser aussitôt. Et environ 1 cuillère à café de provitamine B5. Voilà, votre mixture est prête. Avec seulement 3 ingrédients, vous avez un soin simple et efficace. Vous pouvez ne pas mettre de l'huile, cela renforcera davantage le pouvoir nettoyant du gel. Je l'applique sur cheveux sales, pas très sales non plus. Si vous avez les cheveux hyper sales, vaut mieux utiliser un shampoing normal parce que le tensioactif naturel contenu dans le gel de gombo ne va pas laver en profondeur votre chevelu et le débarrasser totalement des saletés s'ils sont hyper sales. Ce soin est donc une alternative au shampoing normal si vous n'avez pas les cheveux hyper sales. Il s'applique du cuir chevelu aux pointes en insistant sur le cuir chevelu par le massage afin de le débarrasser de probables saletés. Et on masse les longueurs pour leur faire bénéficier du soin. Le massage du cuir chevelu est très important ici parce que cela permet d'une part de débarrasser ce dernier des saletés et d'autre part, avec l'apport de l'huile de moutarde, cela favorise la circulation sanguine, ce qui booste la repousse des cheveux. Une fois le soin appliqué sur l'ensemble de ma chevelure, je masse délicatement mon cuir chevelu. Ce geste est très important pour émulsionner le gel afin qu'il nettoie. Ce soin est vraiment idéal pour les personnes qui aiment les routines minimalistes parce que là vous avez fait 2 soins en 1. Après le rinçage, je vais procéder simplement au conditionnement en apportant les soins sans rinçage. Et voilà mes cheveux, une fois rincés, ils sont tout top, ils sont propres. Mon cuir chevelu est nickel, il est également propre, pas de matière grasse. Et mes longueurs sont tout douces. Voilà la petite recette express. J'espère que cela vous apportera aussi un plus dans votre routine. En attendant de vous lire en commentaire, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao!